Bonjour tout le monde, c'est Chronos83 aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. On se retrouve donc dans la Chronos Cave, pas tout de suite dans le village des Schtroumpfs, pour l'épisode 40 de Chronos Adventure. Voilà, l'épisode ça a déjà atteint l'épisode 40, les amis. Donc, du coup, je vais vous montrer un truc. C'est ça. C'est ça. C'est. Attendez que le truc. Donc ça c'est nouveau, ça c'est ce sont nouveautés. Il y a ça. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a oui. Donc aussi il y a un petit truc moins important mais tout de même important. Il y a rien dans le four évidemment. Parce que en fait je voulais vous montrer le four. En gros je l'ai un peu plus amélioré. On va prendre tout le sable que je suis allé chercher. Donc oui, en fait j'ai une pelle maintenant, la crosse du sable ça veut rien dire, mais je m'en suis fait une, elle n'a pas encore affiché N6-5, j'ai pas encore eu le temps. Je me suis fait la pioche d'Apollon. Il n'y a pas vraiment de pioche Apollon, mais c'est juste parce que bah Apollon c'est un peu le pacifiste. Donc efficiency 5 c'est le top, ça là je l'ai eu relativement facilement. Après j'ai réparé l'arc, ça m'a coûté relativement cher. Et voilà. Et j'ai foutu efficiency 5 aussi ma crosse des mines. Alors hop, et on va envoyer ça cuire. Et donc on va regarder l'efficacité, oui mes chers amis, l'efficacité de ce four. Donc vous voyez on vient de les mettre. Attention. Le temps de que un élément se cuise. Et là, voilà. Et ça cuit relativement vite comparé à un four normal. Voilà, donc ça c'était des nouveautés. Le fourré. Les tableaux, vous inquiétez pas, je les verrai. C'est juste parce qu'en fait j'ai créé mon pack de textures et au fur et à mesure je suis en train de l'améliorer comme je peux. Je vais vous montrer notamment aussi un truc que j'ai voulu faire un test. C'est franchement moche. Mais ça c'est inutile, mais voilà. Voilà, j'ai voulu marquer hors cédeur ici. Bon, vous me direz, ça sert à rien. C'est que sur les fours que j'ai marqué ça pour le moment, mais c'est bien marqué quand même, hein. Enfin c'est pas dégueulasse. Donc voilà, j'ai fait ça. Après j'ai pas fait grand chose d'autre comme nouveauté. Il y a aussi une dernière nouveauté que j'ai oublié de vous montrer, notamment c'est dans la chambre, ça se voit. Le lit, j'ai essayé de l'aménager pour qu'on puisse respawn, parce que dans l'épisode précédent on en avait besoin. Donc ça c'est le tableau. Ça c'est les lits, je les ai rendus bleus parce que ça va très bien avec les orchidées bleues. J'ai fait ça selon mon en créant mon texture pack. Et donc j'ai gardé le faceful pour le faire parce que bah, j'aime bien ce texture pack, ça reste simple et en plus c'est facile à modifier pour que ça aille bien. Voilà. Donc c'est vraiment une petite texture pack, je vous mettrai dans la description. C'est vraiment pour quelques petits trucs, je rajouterai des trucs de temps en temps. Mais là c'est vraiment la phase alpha du truc. Alors. Du coup, bon, on va se retrouver au village des Schtroumpfs. C'est parti, moi je vais aller dans le Nether en prenant ce magnifique portail. Allez, à tout de suite. Re mes amis, donc voilà, on est sur l'île champignon enfin. Alors oui, j'ai beaucoup avancé donc le village des Schtroumpfs. Aussi l'eau, pour ceux qui l'avaient pas vu tout à l'heure, je l'ai modifié la texture. Je trouve ça tellement beaucoup plus classe, beaucoup plus beau. Si quand parce que je me suis dit je savais pas comment faire, et dès que j'ai vu que Sifano l'avait fait dans son coin, franchement j'aurais trouvé que ça rendait beau. J'ai essayé de le faire à ma manière, pas aussi clair que lui. J'ai essayé de le faire à ma manière, comme clair comme je le ressentais. Donc voilà, donc ça j'ai fait un double coffre parce que j'ai besoin de ressources. Donc j'avais besoin de ressources et vous voyez j'ai commencé à faire des maisons, celle-là, ces deux là. Donc ça c'était vraiment un spécimen à faire quand même. Donc oui, pour ceux qui se demandent, hop, c'est ici. Et donc là, on arrive. Vous voyez, c'est un double étage, hein, bien sûr. Ça, il n'y a pas de problème. Mais en fait, j'ai changé le système de l'autre. Parce que je trouve que ça rend quand même beaucoup mieux. En servant que du champignon pour faire une sorte de quai. De quai. On peut pas vraiment dire que ce soit un quai, mais... Enfin voilà, vous m'avez compris, je pense. Alors du coup... Oh, j'adore la texture de l'eau. Je ne sais pas pourquoi cette texture... Enfin, j'aime bien. Donc oui, ce que j'ai prévu aussi de faire dans ce village, c'est donc faire un enclos pour vaches. Le problème, c'est que vous avez vu que c'est vachement... C'est pas très plat pour un village des Schtroumpfs. Et le village des Schtroumpfs fait relativement plat. Alors, je sais pas comment on va faire. Mais on va se débrouiller déjà. Une petite torche ici. Bien sûr, on va garder notre hache au cas où.
Ouais, j'ai deux pioches. La pioche fortune, on va la mettre de côté. Voici, donc j'ai fait quelques maisons aussi. Donc là, c'est une autre petite, petite ruelle. Voilà, donc c'est vraiment tout, tout bête, hein. Pour le moment, j'ai fait ça. Alors, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de terraformer un peu tout le bordel. Ah oui, aussi, j'ai oublié de vous montrer parce que j'essaie à miner un peu de la stone. Donc, je suis allé par ici. Parce que ici, j'y suis jamais allé, j'ai pas envie de déformer en dessous de ma maison. Oui, en fait, j'ai réparé mon cross des bois, j'ai mis punch pour ceux qui ont oublié. Parce que c'est vrai qu'il n'y avait pas punch. Bon, ça m'a coûté relativement pas mal de niveaux. Ça m'a, enfin, vu que je suis en vacances maintenant, j'ai vachement le temps de faire d'avoir des niveaux. Mais ça sera, j'aurai du stuff encore meilleur et plus rapidement quand j'aurai mon usine à Enderman. Alors là, c'est la stone que j'ai minée pour le moment. J'ai pas encore de beacon, donc j'ai fait un truc comme ça. J'ai tout monté après, hein. C'est vraiment pour avoir le truc du coup, le stronghold. Vous avez deviné que je le ferai pas en quartz comme j'avais prévu. Mais on va essayer de garder le thème du stronghold, donc du coup voilà. Parce qu'il me semble qu'on peut crafter maintenant la truc de la stone brick avec moussu là. La mossy stone brick. Alors, du coup, déjà on va foutre les portes sur les côtés. Si j'en ai. Il m'en faudra. Si ça suffira. Faut que je les foute devant toutes les maisons. Vous inquiétez pas, le sol je changerai après. C'est juste pour qu'on se rende compte à quoi ça ressemble. 4, et bah c'est pile 4 maisons que j'ai fait. C'est nickel. Hop. Et donc je me suis interrogé pour une nouvelle technique de fabrication de maisons. Si vous avez des idées pour des champignons, enfin des maisons champignons, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, moi je suis preneur. Alors. Donc voilà, le chemin, j'ai décidé de le faire en gravier parce qu'au départ je voulais le faire avec un truc plus épais. Le problème c'est que ça reste le village des Schtroumpfs, faut pas déconner, le village des Schtroumpfs, il faut pas trop abuser sur les chemins. Alors, du coup, j'ai pas pris des trucs pour décorer la maison. J'ai pris des blocs, des items frames, des bibliothèques, ça c'est bien beau, mais il me semblait avoir pris autre chose. Bon, alors on va faire l'enclos comme prévu. Hop, je tac. Ouais, non. Hop. Hop, voilà. Et donc l'enclos, on va le faire à une maison plus mode campagne. Donc je pensais à un endroit assez visible. J'ai aussi prévu de changer les sons, mais ça je sais pas encore comment faire et j'ai pas. Il faut que je m'en renseigne un peu plus. Donc ça bien sûr je ferai des maisons sur ça, franchement ça va être une sorte de centre, le centre pour le village des Schtroumpfs. Enfin je veux pas faire trop grand non plus le village des Schtroumpfs. Ici ça me paraît pas mal. Juste enlever ça là. Voilà. Alors. Tac, 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 tac. On va faire un. Ah d'accord. Hop. Je m'en doutais que je n'aurais pas assez. Je m'en doutais. Et toutes les vaches champignons qu'on pourra mettre, on les mettra dedans. Ça, c'est une évidence. Hop. Ouais, ici, c'est pareil. Hop. 10 supplémentaires, on va en faire 2. Je pense que ça suffira amplement, mais... Sait-on jamais. On va remonter là-haut. Hop. Ici.
sur les côtés. On reste simple, hein. C'est vraiment le village d'Ichtrum, c'est pas fait pour être très évolué. Par contre, la maison du grand chef, je vous préviens, il y aura des potions. Hein, faut pas déconner, c'est le grand chef quand même. Alors, est-ce que j'ai du blé? Non. Bon. On va faire ça manuellement alors. Non, évidemment. Bon, alors toi, t'es plus proche, t'as l'air de vouloir y aller. Si tu veux y aller, moi, ça me dérange absolument pas. La méthode sneak sur une vache. Non, toi, tu vas beaucoup trop loin, tu vas beaucoup trop loin, tu vas beaucoup trop loin. Bon, tant pis. Faudrait que je prenne du blé. Et je suis fier de ma texture de l'eau. Franchement, ça a de la gueule. Hein. Donc je mettrai dans la description. Alors du coup, on va commencer à faire les sols des autres maisons. Pourquoi l'autre? Ah bah. T'avais pas l'air de vouloir t'ouvrir toi. Et niveau bois là, je commence à être limite. Alors. C'est là qu'on se rend compte qu'on a fait une connerie. Ce genre de situation. On casse trop vite à chaque fois. Toc 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 toc. Je vois pas pourquoi je torche les maisons. Tant est que ça ne sert strictement à rien. Le sol de cette maison. Voilà. Toc toc toc. Donc aussi, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Moi, du village des Schtroumpfs, je parle. Hein. Moi, je suis preneur de toute remarque. Tant que c'est constructif, hein, je répète. Si vous avez des conseils, etc., etc., n'hésitez surtout pas. Ça, j'avais pas prévu. On mettra ça. Ok, on mettra ici. Voilà. Et on ferme ici. On mettra l'échelle ici. Voilà. On descend. Next. Ici, on monte. Donc oui, je pense que le prochain épisode, ce sera plus le truc des Schtroumpfs. Je le finirai de mon côté à chaque fois et on passera à une nouvelle truc. Enfin, une nouvelle occupation. Hop. Toc. Si ça va être ouvert. Toc, toc. Voilà, comme ça on peut voir. Et moi je fais la connerie qu'il ne faut pas faire. Voilà. Voilà, voilà. On va faire pour les autres maisons. Il y aura peut-être pas assez de bois, mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Tac. Voilà, alors. Bûche. Porte. Voilà. Hop. Bûche. Bûche, 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 bûche. Voilà. Donc oui, aussi, j'ai oublié de vous le dire, mais Eldar part en vacances. Du coup, Fightcraft et tout, bordel, ça va être ralenti. Je suis désolé, vous ne l'aurez pas si rapidement. Finalement, on a tourné 6 épisodes. Ce qui est pas vraiment suffisant, faut pas se leurrer, hein. Va falloir qu'on en tourne plus rapidement, surtout qu'on a 6 épisodes, mais il faut pas oublier que 6 épisodes dans cette saison, c'est quand même une grosse saison par rapport à d'autres, donc aux autres, donc du coup, moi je viserai les 20 épisodes pour cette saison. Honnêtement, je vise les 20 épisodes. Et après, c'est à voir, c'est à voir. En réfléchir, mais non, en fait ça ira, ça ira. Toc. En fait, on aura assez de bûches. J'ai peur qu'on en ait pas assez, mais finalement c'est vrai que ça demande que bah 9 10 10 par maison environ, sachant que celle là en demande environ 14 15. Ouais, c'est vrai que c'est pas trop cher. Du coup, vous voyez, c'est pas assez de maisons pour moi. Du coup, va falloir que, si vous avez des idées, ne serait-ce pour les chemins et tout, pour les maisons, différentes maisons qu'on pourrait faire, n'hésitez pas à me le dire. Parce que du coup, on n'a plus rien à faire dans le village. Surtout que j'avais pas prévu de faire quelque chose ici. J'avais prévu de faire un truc, mais je me rappelle absolument plus.
Vu que j'en s'en souviens absolument plus. Je vais aller dans le Nether et je vous retrouve dans ma maison. Re mes amis. Oh, ah bah décidément, ça n'a pas aimé de reprendre le monde. Bah, il va se casser normalement. Voilà. Il y a eu un petit lag de serveur. Alors du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Déjà, je vais vous montrer un truc qui m'a assez impressionné. Enfin, c'est parce que oui, la ferme est tout bordel. Je m'en occupe toujours, faut pas rêver. Parce que la bouffe, ça part vachement vite, mine de rien. Et donc du coup, je vais vous montrer. Oui, donc ça c'est Chiron, c'est le cheval à GIGN, il a fait exprès, enfin voilà, de faire ça. Voilà. Donc ça c'est les vaches. Elles ne sont plus en reproduction, c'est bon, y a rien d'impressionnant. Ah, par contre ça... Voilà. Ensuite, voilà, c'est ici. Ouais, tous les coffres qu'il y a ici. Oh putain. Ça a déjà commencé à grandir. Vous imaginez donc que ça se remplit vite. Étant donné que je suis allé faire un petit peu occupé d'en tuer plein, bah en gros bah les œufs ça arrête pas de pousser et du coup bah je sais pas comment, si vous avez une solution pour les utiliser. Si c'est le cas, je suis preneur. Parce que mine de rien, c'est vrai que c'est assez. Ils sont assez. Enfin comment dire. Ils sont comme. Je ne sais pas comment dire, ils ont des tendances ouais non, on va abandonner parce que je sens que je vais dire de la merde. Alors aussi, si vous pouvez me dire dans les commentaires pourquoi avec le cheval ça fait ça, c'est pas des chutes de FPS, regardez. Il n'y a absolument aucune chute de FPS. C'est juste des téléportations avec le cheval. Donc si vous pouvez m'expliquer pourquoi, à quoi c'est dû, je suis entièrement preneur. Et donc aussi, donc je vais vous expliquer les prochains projets du coup que j'ai sur grosse aventure. Donc les Schtroumpfs, ça va être en pause, moi je m'occuperai de le faire de mon côté, de tout finir de mon côté. Le prochain truc que je vise, c'est soit l'entrée du Stronghold, c'est un truc assez balèze, ou soit ça va être j'hésite. L'entrée du Stronghold, c'est fortement ça qui va être, ou soit ça va être l'usine à Undermen, le prochain truc que je vise. Donc ce sera à voir, parce qu'il faudra que je passe en snapshot, nouvelle snapshot, l'usine à Undermen qui va être vraiment toute simple. On va passer avec les Undermites, et vous comprendrez très vite le système. J'ai vu ça sur une vidéo sur YouTube. Un youtubeur vraiment pas très connu que je suivais, enfin que je suivais vite fait, il m'a envoyé cette vidéo d'ailleurs. Je le remercie parce que c'est vraiment tout con. Et après je me suis rendu compte que plus tard Sifano a fait un peu le même principe dans sa série, que lui aussi on lui a envoyé quelque chose. Donc ça va pas être pareil, ça va être de toute façon, mais ça va être aussi efficace. Donc je pense que le prochain épisode ça va être ça. Allez, je vous dis à bientôt, bye les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt. Et juste avant, on va contempler les magnifiques tableaux, enfin toutes les créations. Tada, 100e victoire du boss Pif, Siwar, le premier match. Ça on voit pas trop, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs c'est plus pixelisé que les autres, parce qu'en fait je les ai tellement réduites les images que c'est dur de voir les pixels. C'est un rush. Ça c'est sur Cross Adventure. Ça c'est la série sur The Walking Dead et ça c'est la série, enfin c'est l'équipe violet sur Fatecraft. Tada. Ouais, honnêtement, faut pas se leurrer, mais ça a vraiment de la gueule. Allez, je vous dis à bientôt, bye, merci d'avoir regardé la vidéo. J'ai juste voulu faire un test avant. Je me demande comment on pourrait faire pour arrêter de sauter plus vite sur du slime block. Si on reste en sneak. Non, ça sert à rien. Si on saute.
peux pas sauter plus haut. Hein. Bon. Oh bah alors, comme un rituel. Ah oui, bon là. Bim. Ah, j'ai voulu que ça aille. Allez. Hop. Plus de monde d'ailleurs, on va regarder où ça en est. Ça commence à l'user. Allez, à plus. Franchement, là, je vous dis vraiment à plus. Ah putain, ça prend tellement cher. J'ai besoin d'un truc, s'il vous plaît. C'est bon, c'est bon. Attendez, les mecs, j'ai fait des potions de speed. Attendez, j'arrive pas à récupérer mes affaires. Tiens, Lotari, ta potion de speed. Tiens, Eldar, ta potion de speed. Attends, attends, moi j'ai un bon vidéo. Alors, qu'est-ce que tu fais? J'ai... Non, non, mais c'est fait exprès, c'est fait exprès. Il essaie de se concentrer. C'est ça, t'as trouvé le personnage. Ah, wow. Et j'ai encore ouais.